Allô, je suis Guillaume Gingras du 94.7 Rouge FM. Desjardins est fier de présenter la 4e édition du Gala et 10 de la Jeune Chambre de la Mauricie qui récompense les jeunes gens d'affaires de chez nous. En Mauricie, on a beaucoup de belles institutions. On a des subventions, des moyens financiers. On a l'Institut de recherche sur les PME. On a les cégeps. On a tous les atouts de prendre des risques, de se lancer en affaires parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir les appuyer par la suite. Je pense que ça part à la base que c'est une entreprise familiale. Puis les valeurs familiales ont toujours été respectées. Nous, notre entreprise, ça s'est basé sur la confiance qu'on avait envers nos employés. Puis c'est quelque chose qu'on dit souvent à nos employés, que parce qu'on a 15 succursales à travers le Québec, puis le visage d'Entiro métropolitain, même si on est à la base des propriétaires, c'est les gens sur place qui sont le visage d'Entiro métropolitain. Puis cette confiance-là qu'on a transmis à nos employés vient de l'esprit de famille qui a su perdurer à travers les générations. Juste d'être en nomination, juste d'avoir cette dose-là d'amour de nos employés, de se faire dire on est content de travailler ici, on aime ça travailler ici, puis on fait partie de la gang. Pour moi, en tout cas, c'est une grande réalisation. Très content, je dirais que c'est vraiment une belle récompense. Ça fait plusieurs semaines qu'on travaille sur la préparation du gala. De voir les gens heureux, je pense que nous, c'était déjà un succès, mais en plus de remporter ce prix-là ce soir, qu'on était quand même très convoité, je pense que c'est un accomplissement là, qu'on va souligner toute notre vie. C'est la continuité. Avec mon père depuis 98, puis à un moment donné, bien, je me cherchais un associé, fait que j'ai été me chercher un bon partner d'affaires avec Jean-Philippe. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble dans le projet, puis qu'on fait grossir le complexe à Violette. C'est tellement valorisant parce que, tu sais, c'est quand même ma première année comme administratrice sur le CA, fait que je suis encore quand même en apprentissage, c'est un mandat de 2 ans. Donc, tu sais, on apprend à maîtriser les dossiers puis tout ça, mais de savoir que déjà mon implication est appréciée par mes pairs, bien, c'est sûr que c'est le fun. Au nom de Desjardins, félicitations à tous les lauréats et à tous les finalistes de cette 4e édition du Gala et 10 de la Jeune Chambre de la Mauricie. Bonne continuité et à l'an prochain!